Cependant, une grande guerre se prépare. La Serbie et la Bulgarie se disputent la Macédoine par les armes. Se forment alors deux grandes coalitions. La Serbie, alliée à la Russie, à la Roumanie, à la Grèce, au Portugal, au Royaume-Uni, à la France et à l'Italie, contre la Bulgarie, alliée à l'Autriche, à l'Allemagne et à l'Empire ottoman. Quand l'héritier du trône austro-hongrois est assassiné par des Serbes, c'est l'étincelle qui provoque la Première Guerre mondiale. L'Allemagne envahit la Belgique et le Luxembourg, arrivant près de Paris. Mais soudain, tout change. L'Autriche sort de la guerre. Une défaite militaire et une révolution ayant aboli sa monarchie, la première république autrichienne est proclamée. Une révolution éclate aussi en Allemagne. L'empereur est obligé d'abdiquer et la première république allemande, coupée en deux entités territoriales, est proclamée. C'est la fin de la guerre. La Turquie dissout l'Empire ottoman et passe au statut de république démocratique. L'Ukraine et la Biélorussie prennent leur indépendance vis-à-vis de la Russie. La Serbie annexe la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, formant le royaume de Yougoslavie. En Russie aussi, une révolution éclate. Le tsar est éliminé et l'Union des républiques socialistes soviétiques est proclamée. Cela permet à la Pologne de renaître, tout comme la Finlande, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. La Hongrie se détache de l'Autriche et prend son indépendance. Les Slovaques et les Tchèques s'unissent pour constituer la République de Tchécoslovaquie. La Roumanie reprend la Moldavie. Et l'Union soviétique reprend l'Ukraine et la Biélorussie. L'Irlande prend son indépendance et se renomme Eire, mais elle est privée des comtés du Nord qui choisissent de rester dans le Royaume-Uni. En Europe, cependant, les dangers ne sont pas tous écartés. Des dictateurs prennent le pouvoir. Au Portugal, les militaires suspendent les libertés. En Italie, le roi confie le gouvernement à Mussolini qui établit la dictature fasciste. Toutefois, Mussolini permet la création de l'État de la Cité du Vatican, enclavé dans la ville de Rome, comme siège des institutions de l'Église catholique romaine. En Estonie, en Lituanie et en Lettonie, les militaires instaurent la dictature. En Espagne, c'est le général Franco qui prend le pouvoir. En Allemagne, Hitler est nommé chancelier et se proclame Führer. Adolf Hitler, chef d'un parti politique à l'idéologie nationaliste et raciste, prônant le nazisme, ambitionne la reconstitution de l'Empire allemand d'avant-guerre. Il rattache alors l'Autriche à l'Allemagne, reprend les anciens territoires allemands en Tchécoslovaquie et attaque la Pologne, la partageant avec l'Union soviétique. Cela provoque la réaction de la France et du Royaume-Uni alliés à la Pologne. La Seconde Guerre mondiale éclate. Le Royaume-Uni attaque l'Allemagne, mais Hitler contre-attaque.
Il envahit le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France, parvenant même à bombarder le Royaume-Uni par avion. Enfin, concluant avec le Japon et l'Italie le pacte de l'Axe, Hitler occupe la Slovaquie et le royaume de Hongrie, tandis que l'Italie occupe l'Albanie et le royaume de Grèce. Fortement préoccupé, le premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, et le général français Charles de Gaulle, en exil à Londres, font alors appel aux nations du monde pour former une coalition anti-nazie appelée Armées alliées. Pour sa part, l'Union soviétique de Joseph Staline ambitionne la domination de l'Europe orientale. Devenue un état de régime communiste, elle attaque la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Roumanie. Mais la Finlande et la Roumanie se rebellent, suivies par la Bulgarie, et s'allient à Hitler, qui envahit alors le royaume de Yougoslavie et se dirige vers Moscou. L'Union soviétique, à l'armée, rejoint le camp des armées alliées, tout comme les États-Unis et la Chine, en guerre contre un membre de l'Axe, le Japon. Le conflit devient mondial. Hitler attaque l'immense Union soviétique, mais les dures conditions climatiques de ce pays lui coûteront un quart de ses troupes et causeront sa défaite. Il est en effet battu par les armées communistes qui avancent jusqu'à la mer Adriatique, établissant leur régime sur les pays assujettis. Pour les nazis, c'est la déroute. Les armées alliées des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni attaquent l'Italie et renversent les fascistes, puis elles débarquent en France et aident le général de Gaulle à chasser les troupes allemandes. Hitler se suicide, l'Allemagne capitule, les pays occupés par les nazis sont libérés, c'est la paix. Et quand les États-Unis lancent la bombe atomique sur le Japon, les conflits cessent définitivement. Pour assurer le maintien de la paix, l'Organisation des Nations Unies est alors créée. Sa finalité est le remplacement des conflits par le dialogue, mais le cas échéant, l'ONU peut employer les casques bleus, sa force armée, pour rétablir la paix. 51 pays signent la Charte des Nations Unies, dont les membres permanents sont les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine, la France et le Royaume-Uni. Bien qu'ayant consenti à rendre son indépendance à la Finlande, l'Union soviétique absorbe la Tchéquie et reconstitue la Tchécoslovaquie. Dans les Balkans, le maréchal Tito fonde la République fédérale socialiste de Yougoslavie, de régime communiste, mais détaché de la tutelle de Moscou, tout comme l'Albanie, qui embrasse le communisme mais conserve son indépendance. En Allemagne, le nazisme est déclaré illégal et le pays est à nouveau divisé en deux. D'un côté, la République fédérale d'Allemagne, contrôlée par les armées alliées, et de l'autre, la République démocratique d'Allemagne, contrôlée par les soviets. L'Europe aussi est divisée. La conférence de Yalta entre les deux puissances victorieuses, les États-Unis et l'Union soviétique, partage l'Europe en deux blocs. Dans le bloc occidental,
sous influence américaine. Certains pays signent l'accord de l'OTAN pour se protéger contre d'éventuelles agressions soviétiques. Dans le bloc oriental, sous influence soviétique, certains pays signent le pacte de Varsovie pour se protéger des Américains. Toutefois, l'armée soviétique réprime durement des mouvements indépendantistes en Hongrie sans que les nations occidentales puissent intervenir. C'est la guerre froide entre les deux blocs qui ne peuvent plus entrer en guerre directement à cause de la dissuasion nucléaire acquise par les États-Unis, l'Union soviétique, la République populaire de Chine, le Royaume-Uni et la France. L'Europe, cependant, en a assez des conflits. Ces nations songent à un modèle d'intégration qui les mettrait à jamais à l'abri d'une nouvelle guerre. Le ministre français Schuman a alors l'idée de mettre les industries européennes liées aux armements sous le contrôle réciproque des deux principaux producteurs de fer et de charbon, la France et l'Allemagne. Il s'ensuit le traité de Rome, où la communauté économique européenne est créée. Son but est un rapprochement économique qui permet la libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux entre les pays membres. Les signataires sont la France, l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Chypre prend enfin son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni et passe au statut de république. Malte aussi proclame l'indépendance et la république, mais reste dans le Commonwealth, une organisation composée du Royaume-Uni et de ses colonies. Dans le bloc oriental, l'armée soviétique intervient encore, étouffant les rébellions indépendantistes en Tchéquie. Dans le bloc occidental, la communauté économique européenne s'élargit avec l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni. À Chypre, les Chypriotes grecs et les Chypriotes d'ethnie turque s'affrontent durement. La Turquie occupe alors militairement le nord de l'île, le nommant République turque de Chypre. Mais cette république n'est pas reconnue par la communauté internationale, à l'exception de la Turquie. Au Portugal, une révolution met fin à la dictature militaire et la république est rétablie. Malte sort enfin du Commonwealth et proclame sa totale indépendance. En Grèce, après la dictature des colonels, la République est proclamée. Dans l'Espagne, troublée par des luttes d'indépendance menées par les Basques, le général Franco rétablit la monarchie sous régime constitutionnel. Actuellement, tous les royaumes et les principautés d'Europe ont embrassé la monarchie constitutionnelle avec un premier ministre comme chef du gouvernement. La communauté économique européenne s'élargit encore avec l'adhésion de la Grèce, de l'Espagne et du Portugal. Un grand changement s'opère en Union soviétique. La perestroïka de Michel Gorbatchev met fin au bloc communiste et la République fédérale de Russie est proclamée. Cela permet à l'Allemagne d'abattre le mur de Berlin et de se réunifier en un seul pays. À la Tchécoslovaquie de redevenir deux pays distincts, la République tchèque
et la République de Slovaquie, et à la Pologne, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine et la Biélorussie de devenir des républiques indépendantes. L'indépendance est déclarée aussi en Slovénie, en Croatie, en Macédoine et en Bosnie-Herzégovine par rapport à la République fédérale de Yougoslavie qui est désormais réduite à la seule Union Serbie-Monténégro. Le régime communiste est abandonné même en Albanie qui passe au statut de République démocratique. Avec l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, la Communauté économique européenne devient l'Union européenne et met en circulation sa devise, l'euro, une monnaie commune aux États membres de la zone euro. Cela attire l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, Malte et Chypre qui rejoignent l'Union européenne. Dans les Balkans, la Serbie et le Monténégro se séparent, devenant deux républiques indépendantes. L'Union européenne devient l'Europe des 27 après l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. En Serbie, la province du Kosovo proclame la République, mais elle n'est pas reconnue par la majorité des pays membres de l'Organisation des Nations Unies. À ce jour, la Croatie a d'ores et déjà rejoint l'Union européenne. Le Monténégro, l'Albanie, la Macédoine, l'Islande et la Turquie demandent l'adhésion à l'Union européenne, dont la zone euro s'est élargie à 16 nations, mais la requête de la Turquie est conditionnée par les troubles entre les deux communautés de Chypre. La grande histoire de l'Europe vous a été contée. Sur ce continent magnifique, s'est peu à peu bâtie la civilisation occidentale qui inspire maintenant, par ses valeurs, le monde entier. Sur cette terre millénaire, les nations parmi les plus puissantes du monde se sont constituées, bouleversant souvent le destin des peuples. Aujourd'hui, après 3000 ans de conflits, l'Europe, animée par l'idée audacieuse d'une structure supranationale inédite dans l'histoire de l'humanité, est parvenue à unir pacifiquement, dans l'Union européenne, des pays de langues et de cultures différentes. Cela lui a valu le prix Nobel de la paix en 2012. La suprématie économique mondiale et surtout une période de paix la plus longue depuis les temps anciens de l'Empire romain. Il est bien loin, l'instant où la princesse Europe
se baignant près d'une plage, croisa son regard avec celui de Zeus, le roi des dieux.